Bonjour, Grade 6. Notre nouvelle leçon, c'est le verbe faire plus préposition plus sport. Encore une fois, le verbe faire plus préposition plus sport. Verbe faire, which means to make. Préposition, prepositions. Et sport, sports. Ça va? Ici, je vais vous rappeler du verbe faire. Je vais vous rappeler du verbe faire. Hein, qui se rappelle du verbe faire? Hein, prenez une feuille et écrivez avec moi. Hein, verbe faire. Take a paper and write with me. Verbe faire. Hein, qui se rappelle du verbe faire? Vous remember verbe faire? Hein? Je fais à la fin S. Très bien. Tu fais à la fin S. Il fait à la fin T. Elle fait à la fin T. Nous, on fait à la fin T. Nous faisons à la fin ONS. Vous faites à la fin ES. Il avec S font FONT. Elle avec S font FONT. Une autre fois, je et tu fais à la fin S. Il et elle et on prennent fait à la fin T. Nous faisons à la fin ONS. Vous faites à la fin ES. Il avec S ou bien elle avec S prennent, font FONT. Ça va? Ça va. Deuxièmement, les prépositions. On a le préposition. De l'apostrophe avec les voyelles. Le préposition de l'apostrophe avec les voyelles. Quelles sont les lettres voyelles? Le E, le A, le I, le O, le U. Ça va très bien. Et le H, très bien. Ici, le « de », l'apostrophe vient avec l'équitation. De l'équitation. Très bien, répétez avec moi. Everyone repeat with me. De l'apostrophe, équitation. De l'équitation. Et qu'est-ce que ça veut dire équitation? Équitation, c'est « riding horses ». Ça va? Équitation. De l'équitation. Ça va? Très bien, bravo. Le de, la. Préposition de, la. Le préposition de, la vient avec le nom féminin. Très bien. Le préposition de, la vient avec les noms féminins. Les sports féminins, comme de la natation. De la natation. De la natation. Natation, répétez avec moi. De la natation. Qu'est-ce que ça veut dire de la natation? Which means swimming. Très bien, bravo. Which means training. Très bien, bravo. Encore un. De la voile. De la voile. Qu'est-ce que ça veut dire de la voile? Hein? De la voile. De la voile. Which means sailing, de la voile, de la voile. Très bien, bravo. De la planche à voile, de la planche à voile. Répétez, de la planche à voile. Qu'est-ce que ça veut dire de la planche à voile?
Surfing. Ça va? De la planche à voile. On a de la gymnastique. De la gymnastique. De la gymnastique. De la gymnastique, which means gymnastics. De la gymnastique. Répétez. De la gymnastique. Encore on a de la danse, which means dancing. De la danse. De la danse. Ça va? Encore une fois. On a le de et l'apostrophe, préposition de et l'apostrophe, comme de l'équitation. Le de, la, avec les féminins, comme de la natation, de la voile, de la planche à voile, de la gymnastique, de la danse. Ça va? Ici, on a le préposition du. Quand est-ce que j'utilise le préposition du? J'utilise le préposition du avec les mots masculins, avec les sports masculins. Ça va? On a du vélo. Du vélo. Qu'est-ce que ça veut dire? Vélo, vélo which means bike. Vélo, le bike. Très bien, bravo. On a aussi du VTT. Qu'est-ce que ça veut dire le VTT? Le VTT, c'est une abréviation. Qu'est-ce que ça veut dire abréviation? Abbreviation. Très bien. Du mot vélo de tout terrain. Vélo de tout terrain. Qu'est-ce que ça veut dire vélo à tout terrain? Bike, we use it in the mountain. Bike, that we use it in the mountain. Ça va? So, on utilise du avec vélo ou bien VTT. Vélo, c'est the bike, the normal bike. Le VTT, vélo de tout terrain, on utilise in the mountain. Ça va? We use it in the mountain. On a du rouler ou bien du patin à roulette. Ça va? C'est ça le rouler. Ici, on a du scat. Du scat. Qu'est-ce que ça veut dire du scat? Skating board. Ça va? Du ski. Du ski, which means skiing. Ça va? Du ski. On a ici la quatrième préposition, the fourth preposition, des. Le préposition des. Par exemple, des promenades. Des promenades. Répétez avec moi. Des promenades. Des promenades. Des promenades. Des promenades. Si elle est singulier, on va dire de la promenade. De la promenade. Mais qu'est-ce que ça veut dire promenade? Promenade? Which means walking. Ça va? The sport that we walk. Ça va? Maintenant, je veux des exemples. Hein? Si quelqu'un veut dire des exemples. Hein? Hein, réfléchissez. Hein, qui va me dire des exemples? Très bien. Je fais de la danse. Bravo, très bien. Hein? Il fait, très bien, des promenades. Bravo. Hein? Elle, bravo, elle fait de la danse. Ça va, hein, une autre. Nous faisons
De la natation. Ça va très bien, bravo. J'espère que vous comprenez la leçon. Au revoir, grade 6.